Ok, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai une autre request pour Fever. Et il faut que j'enregistre ça maintenant. Donc c'est parti. Ok, je dois en profiter après cette vidéo de après cette vidéo Fever pour donner quelques conseils de patinage si vous allez en séance publique. Vous voulez pas avoir l'air ridicule. Donc ok, juste avant de commencer, il va falloir apprendre à se relever en cas de chute pour éviter toute rechute. Si vous tombez, vous essayez de vous lever de la mauvaise façon. Donc la meilleure des façons, c'est ça. Vous êtes tombé, vous mettez première étape sur les genoux. Deuxième étape, vous mettez un pied au sol, le genou devant. Troisième étape, vous mettez les mains dessus. Vous mettez le poids du corps un peu sur l'avant, là, le haut du corps un peu devant. Et après, on va pousser en même temps sur la jambe et sur les mains. On va faire comme ça, pousser et vous allez vous retrouver debout. Donc voilà, pour éviter de se fracasser la tête, c'est important de faire ça. Retour à la vidéo sur la glace. Au départ, effectivement, tenez-vous à la barrière un petit peu, comme hier. Et ce qu'il faut, c'est être focus vraiment sur la cheville. Can you see my feet? Essayez de bien fléchir sur les chevilles, comme ça. Ça peut faire un petit peu mal, mais si vous êtes comme ça, la stabilité va être plus effective. Du coup, essayez d'être beaucoup là-dessus. Pas comme ça, jambes tendues. Pliez les jambes un maximum. Tenez-vous à la barrière au début. Donc, on se tient à la barrière. On essaye de faire des petites marches, tout en pliant sur les chevilles. Comme ça. Et petit à petit, on essaye de pousser avec la lame comme ça, dessus. Petit à petit, on essaye de pousser comme ça, tout en gardant les jambes bien pliées. Et voilà. On essaye de ne pas regarder par terre. Surtout, pas regarder par terre. Parce que c'est comme quand on conduit, on regarde là où on va. Donc là, si vous regardez par terre, vous allez tomber, vous allez faire des deux. Donc on contracte bien les abdos. On plie bien les chevilles et les genoux, on marche, on glide, on glisse. Et voilà, je pense que je vais faire une autre vidéo pour d'autres tips plus tard, mais essayez ça. Tac, les abdos, la tête en l'air, enfin la tête en l'air, le regard loin, les chevilles. Et normalement, ça c'est les bases pour pas tomber sur la glace les premiers jours. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez kiffé. Bonne journée, ciao. Perfect.